Nous là, allez. Mais nous là, un bête. Pas mon fils, non. Nous là, team boy, tag boy. Bah, on fait que nous là. Peuple haïtien, notre avis. Ambassadeur américain qui est dans le pays d'Haïti, qui c'est Denise Ankiz, confirmé. Oui, yo konchita parlé avec chef gang dans l'idée pour protéger l'ambassade là avec tout personnel lié. Est-ce qu'on entend de causer? Yo konchita parlé avec gang dans le pays d'Haïti pour protéger l'ambassade là parce que c'est celle ambassade là qui est extrêmement important dans le pays là. Yo parlé avec gang yo pour gang yo ba yo un petit mot sur sécurité pour protéger l'ambassade là, pour ne pas attaquer l'ambassade là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, si nous avons besoin d'un petit mot de sécurité dans le pays d'Haïti, c'est même gang pour nous aller derrière. Nous avons besoin de la police. Nous avons besoin de le directeur général PNH. Parce que nous ne sommes pas capables d'être incompétents. C'est gang pour nous aller. Non, moi, je parle là. C'est même gang toute sécurité à y. C'est même gang insécurité à y tout. Si l'ambassade américaine compte qui est sur le relais, l'élève de sécurité pour l'ambassade là et nous-mêmes, qu'est-ce que nous relais? La police? La police pas capable. Comme tout bien, c'est pas la première fois nous, bagay ça répète dans le pays d'Haïti. Même si vous avez un là qui charge business, et bien la police peut sécuriser le business, maison machine, biotransfert, banque, et. Mais ceux qui vont moto, c'est pas la police qui a sécurisé yo, mais plutôt c'est nèg Genève yo qui était sous contrôle Jimmy Cherizier alias Barbecue, c'est yo qui a sécurisé business ou yo sous aéroport. Chaque mois sous payroll. Hein? Et bien dans ça, étant donné le pays a gangsterisé, ambassadeur américain qui dans pays d'Haïti qui c'est Denise Ankiz metto à sur écran li confirmé dans une interview li te gagné li dit oui li gagne relation avec gang yo dans l'idée pour protéger ambassade là pour protéger personnel li yo l'obligé parler avec lui mais ça fait nèg yo Kenya dans pays d'Haïti yo gagne l'armée. Nous gagnons la police pour qu'ils ne soient pas en contact avec force de l'ordre qui est légal pour demander pour protéger l'ambassade là. Et puis tout, l'ambassade américaine chargée américaine là-dedans. Ça veut dire là, pour l'ambassade américaine jouer une protection, il faut relayer vite l'homme. Et vite l'homme, ça oui, l'Amérique mettait 2 millions sous tête li. Et notre tête a passé nous. Pour Américain, FBI, département d'État mettre 2 millions de dollars sous tête vite l'homme pour arrêter pour n'importe qui je ni. Depuis on fait arrêter vite l'homme, il y a 2 millions cash. Et ceci même ambassade ça, même Américain ça yo pour protéger ambassade là, yo relé vite l'homme. Tant pour s'il vous plaît, protéger ambassade là pour nous pas attaquer personne le qui vient travailler. Pas attaquer bâtiment, soit attaquer l'autre zone yo, mais un bâtiment protégé pour nous souple. Nous mêlons notre avis. Hein? Nous mêlons. L'autre temps de barbecue te dit, li kon al chita, li kon al réunion en ambassade américaine pour parler avec nèg yo. Barbecue pa bay menti. Li pa bay menti par rapport avec ça. Denise Ankiz dit là qui c'est ambassadeur américain lui confirmé parole barbecue te dit. Ou ka penser menti ou ta m'étendre qui l'est ambassadeur a te dit ça. On connaît nous dans la douce même ka voyer monter en attendre déclaration ambassadeur américain qui dans pays d'Haïti qui c'est Denise Ankiz déclaré et confirmé li gen relation li kon parler nèg yo kon parler
avec gang dans pays d'Haïti yo façon pour protéger personnel lio avec ambassade américaine. On a attendu, gardé et tout à tourner. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs. Et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans leur région. Alors c'est de confirmer les intentions de gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Vidéo ça, vous regardez là, ou tendez déclaration. Oui, c'est une interview. Ambassadeur américain a été gagné avec télévision Métropole. Il confirme, il a une relation. Oui, c'est pas moi qui te fait parler. C'est pas moi qui te mets parole en bouche. C'est lui qui répond à la question. L'ambassadeur dit qu'il y a un échange. Et de temps en temps, avec Gangyo, le modèle pour qui ça? A qui intérêt? C'est pour protéger l'ambassade avec personnel. Il y a des bandits qui ont attaqué deux machines ambassade américaine. Mais il y a des bandits qui ont bandits. Pour moi, ça qui passe, c'est qu'on y a un entrant. C'est pour me dire, nous, ce qui est dans le pays d'Haïti, c'est ce qu'on gagne lié. Zapek garde nous. Si nous pensons la police qui a une sécurité. Nous voyons la police descendre dans Solino. On essaye pas régler. On le gouvernement qui règle sérieux. C'est gang qui prend Solino, qui boule, qui crase, qui met, qui pète un pile coup de balle. Hein? Qui crase Solino bas coup de balle. Hein? Kounya la, moun sa ou qui quitte Solino. Youn pas qu'on côté pour aller. Il a gagné cap dormi devant l'église catholique, hein, game qui a dormi sous place publique, il va qu'on côté pour aller. Malheureusement, bandi météo dehors. Ouais, non, question gang qui a pris territoire. Bon secret là, on est de. Bon secret là, dans c'est nous pas qu'on est. Mais ouais, mais yon expert pour travailler ça pour moi. Tu bien pour ouais. Bandi prend Matissan. On regarde qui intérêt qui gagne dans Matissan. Gélan mère, hein? Gélan mère, et puis tout, on voit les gens en bas sol là. Qui ça qui gagne en bas terre? Chaque côté où les bandits prennent, ils ont intérêt en bas terre. Est-ce que pas ils ont intérêt dans Solino en bas sol là? Hein? C'est qu'est-ce qu'on m'a posé? Parce que je connais les gens qui prennent un territoire. Depuis souvent, quand ils ont mine en bas terre, nous ne connaissons pas. C'est boss yo qui veut aller prendre territoire, hein, yon façon pour protéger sa qui en bataille. Ah, on va ta bille vidat, on va ta quoi ça? On va nous canard. On va canard, ou ta dit on désert, hein, on désert lié. Mais, bandi yo pas canard, pour qui ça ou pas canard? Parce que, en bataille, gen qui dit gen gaz en bataille. Hein? Et ça me de nous comprendre. Pas parce que les yo bandi débarquent là pour en zone. Et pour grand merci le prendre non. On a dit oui, zone pas business là dedans, li pa gen moun ka ka fonctionner, li pa gen gros intérêt. Pas quoi il fait analyse ça yo. Avant même ou faire analyse ça, on essaie garder ça en bataille. Qui ça qui gagne qui caché en bataille? Parce que n'a marché sous l'eau, n'a marché sous iridium, n'a marché sous cuivre. N'a marché sous l'eau, nous allons côté, mais les gens experts
qui jouent ça qui ça qui cache en bataille hein il a pris les gangs il a dit gangs j'ai espace ça pour moi parce que m'a besoin oui m'a besoin et bien ça et ça me nous comprendre parce que bah la passe pas aussi simple que ça bagay yo pas aussi simple que ça l'entendé yon gang attaquer yon zone gen intérêt la dan intérêt ka pa wel mais boss yo yo wè intérêt a lèm di boss yo nèg k ap dirije gang yo et lèm di nèg k ap dirije gang yo pa kouri wè izo ti la pli lòm san jouvite lòm Jeff Canaran hein et pa nèg pou wè c'est nèg ak vèsyo gros patron yo only gat yo c'est nèg sa pou nou wè imagine ou Canaran kwa de bouquet Akaye, hein, Kabare, Bonhomme à Cité Soleil, Bicentenaire, Anga no qui fait bandi yo, gen tout objectif yo pour prendre Solino, pour gen contrôle li. Est-ce qu'il en bas sol Solino a pas gagné hein, sérium? Est-ce pas gagné des tonnes sérium qui coûte plusieurs milliards de dollars si nous exploitons? Et ça ne veut qu'on est-ce qu'il va gagner est-ce qu'il va gagner en bataille parce que chaque côté où un bandit prend voyager en bataille pour ou après quantité richesse pays d'Haïti gagner en bataille qui sous contrôle gang yo hein bandit attaquer cabaret pendant parler de cabaret là et la police t'es débarqué t'es gagné plusieurs policiers et Boyd avec Utag. Nèg yo font visite commissariat pendant nèg yo sorti pour sonder nèg yo passé dans commissariat fait ti vidéo ba yo connait j'a fait chaud pas gè bandi là non comme bandi té t'en prend contrôle zone là déjà écrasé commissariat police té font garder pendant descend yo démonter yo gè écran tout et même pire à terre yo entraîne dans commissariat et puis tout fait ti vidéo hein ti vidéo pour mettre sur TikTok parce que on connait tout majorité police sur TikTok hein et fait ti vidéo là. Et mes jambes gardent ces policiers qui descendent, qui mettent pied à terre, ils allent dans le commissariat cabaret. Ils font des gars de zone. Ils viennent dans Chablende. Étant donné que cette bataille est là, ils sont sondés avec gang Savien. Ils après tout, ils n'ont pas tout pris. Ils n'ont pas ces cabarets. Et puis, ils mettent pied à terre, ils font des vidéos. Pour qu'ils voient les boss, les DGPNH, les vidéos sont vraiment importants. Après, ça va être dit la police reprend le contrôle comme ça, cabaret. Menti! Il va pas contrôle livré, c'est passé à passer. Il va arrêter. Il va passer mes pieds à terre, faire une vidéo pour qu'il envoie bye et à la police. Hein? Pour qu'il a besoin d'attendre, il a fait un reportage, la police guette pour contrôler cabaret. Menti, oui. Menti, je suis fait, oui. Police là, il n'y a pas possible qu'il vienne retenir. C'est pendant la Tibonite pour sonder. Et puis tout pendant passer devant comme ça, il y a tout pas son entrée. Il y a entré là, il fait une vidéo, ça peut monter bien dans le pour aller pour tout prendre. Hein, dame qui t'a dit nous ça, nous pas prendre menti, nous pas prendre aucune menti dans les porte-parole police là. Clair. Même c'est premier mon cap démenti porte-parole police là, l'a dit au bureau pour contrôle commissaire cabaret. M'a dit menti. Et ça m'a dit yo. En tout cas, on va quitter regarder vidéo ça, pas oublier nous même c'est production 69, a dit pour like, abonner, peser sous cloche notification, retirer le sous personnalisé. Mettez sous tout pour les narrow vidéos paradis. Chanel ça, c'est Chanel qui baille 100% vérité. Regardez, policiers yo qui te font paraître dans le commissariat, cabaret, qui te fait t-shirt, par un bail t'as pété, un show négo t'as fait. Regardez vidéo ça. Malé, rendez-vous dans la prochaine émission. Nous là, allez. Mais nous là, un bête. Pas mon figure, non? On a team boy, tag boy. Pas mon figure, non? Ça, c'est l'objectif là.
Boucanet dans une intervention, monsieur parlait, monsieur dit que sur TikTok, il y a un lol qui a une rencontre dans l'ambassade là. Le salte chita dans la machine et puis il y a un policier qui croise avec eux. Et puis il était gain blavel et cetera au chita et puis policier ouais c'est lui. Et le policier ouais lui dans mitan blanc, il le saisit et cetera. Et puis c'est dans l'ambassade là il t'a parlé. Monsieur dit d'ailleurs dans jour ça il pensait ou t'a prend lui. Et puis l'est arrivé, il by blague lui, il dit ça t'a dit et puis il retourne, il a le déposer. Bon, moi même pas prendre tout ça n'a dit pour l'évangile. Et même content oui pendant un petit temps me fait dehors. Moi gain des qui t'a reproché me parce que me t'ai font tweet. Pour me dire gomba et pour le boucan dit qu'ils sont vérité des regnek qui fâché et il m'a peut-être qu'a répété même ça me t'a dit à l'écrit que même il a dit dans micro yo qu'a dit tout ça oui avec monsieur Gampil vérité le bail mais là ici là yo sadique monsieur là yo aigri contre moi tout simplement oui yo pas gagné non yo aigri seulement contre émission c'est grave oui en tout cas monsieur kembe là mes société a en bas nous déjà quitté le marché attendez le pour le boucan t'a dit ça. À mon avis, c'était capable justement, non pas me dire bon, monsieur Gen doit faire diversion, juste pour le cas montrer, etc., problème d'un côté lié. Et de fait, quel que soit monde, de pour pas égarer net, ou a senti que problème n'est pas seulement haïtien. Yo ka utiliser haïtien sous les konze pour faire problème n'a pour avancer li, mais problème n'est pas seulement haïtien. Il y a cette trinité maléfique qui constitue un élément vraiment important dans le cadre pour la crise que nous vivons en Haïti. Monsieur fait première déclaration ça. Monsieur fait une deuxième déclaration quand monsieur dit que, et ça, tout Américain, tout citoyen américain t'a supposé révolter et demander explication. Alors, c'est ça m'a dit tout, c'est que m'pa nan fou la moun c'est vérité pour nbay photo wè montre monsieur avec ambassade là c'est pas vrai ambassadeur c'est pas vrai c'est son on photo montage lié et pas vrai li fake ça m'a dit c'est vérité pour nbay même si n'a dit ba là n'a dénoncé mais faut nous bay vérité pour ne pas paraître comme bluffeur comme menteur professionnel photo wè montre pour le boucan avec ambassadeur c'est pas vrai son montage lié. OK, et tout le monde qui bon en question et cetera dans image, il y a gétan ouais justement son montage, c'est pas une photo originale lié. Fon clair sur ça. Son petit point. Maintenant, le pour qui ça me dit que tout citoyen américain t'a doué mandé explication. Parce que pour vin citizen, gon processus. Faut qu'on vive dans pays a depuis 3 ans ou bien 5 ans. Gon paquet critères qui établi. Faut pas dans bande criminel, faut pas dans drogue, faut pas dans paquet détail etc. faut pas dans ken crime, faut pas dans vol aux affaires moun. Ça dit qu'on paquet critères qui établi. Pour le boucan en live, monsieur dit que li gon passeport américain. Li dit passeport a pas fait sous non Jimmy Cherizier, mais elle gon passeport américain. Moi-même, m'pa relé ça monsieur dit yo. Parce que monsieur a toujours créé diversion li. Pour qu'à montrer des bagailles. On a des gens qui te dit bon, si monsieur arrive là, oui, finalement, oui, monsieur va mourir. Il me dit bon, c'est menton. D'ailleurs, monsieur, attention. Ouais, monsieur dit ça dans un bail. Monsieur, il y a un compte qui a écrit sur le lion, là, que je ne vais pas répondre, monsieur, le Jimmy a besoin. Et parmi les photos, monsieur, tu as publié, vous remarquez, une photo, tu as publié avec d'autres nus. Il gon mai on drapeau États-Unis de passer sous col. Attention. Diversion ou pas mais image ça son image qu'il a longtemps. Attendez oui, c'est pas image qu'on y a non. Son image qu'il a longtemps, le ça monsieur pote qu'on a niveau ça, le ça c'est dans gêne seulement. Monsieur gon photo et si on cherche ou a joindre photo ça, quoi est-ce que on pas publier tout moi même pas songer. Monsieur gon photo ou après elle gagne des rapports américains passés sous lui. Ok, son petit détail. Maintenant, comme monsieur son nèg qui gon audace enragé, monsieur gon façon le manipuler moun, m'pa quoi dans ça monsieur dit à 100%, même pas qu'à démentir non plus, parce que m'pa gagne vérité à la même. Seul moun qui ka démentir, c'est responsable yo en d'ambassade là.
et me bral fait entendre ça. Mais l'homme fin temps des ambassadeurs à parler et puis me dit ah nous prenons un complot. Monsieur confirmé que li parle avec yo et me bral tendre pour qui ça parle avec yo. Monsieur parle avec gang yo pour le cap protéger ambassade li. Tendez ça avec la société. Tendez ça. Toi américain. Qui gagne photo qui gagne nom sous cap gagne nom qui pas gagne Jimmy Cherizier. Coupez ça avec TikTok. Mon gros passeport américain qui gagne photo mais qui pas gagne nom Jimmy Cherizier. Comment? On va besoin de nous comment m'reler. Monsieur l'ambassadeur, quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Non. Tenez là, ou trop pressé, dit John Manche. On n'a qu'à parler comme ça. On a quitté là, aller vite. Ouais, tu parti ça. C'est avec m'a fini l'émission jusqu'à ce que me fait nous parler. Parce qu'on n'a pas parlé quelques jours, il faut nous battre l'impression. Entendez? Wendell pose émission question osée. Qui relation ambassade la gagné avec bande armée? Monsieur de façon entre guillemets diplomatique. Je voulais dire que pas gagné relation mais nous gagné contact à qui de temps en temps. C'est même déclaration juste te faire. De temps en temps, voulait dire ça, voulait dire. Et bah ça? Sous font vieux rêve par occasion. Occasionnellement font vieux rêve. Bon, c'est pas fini trop grave. Mais l'homme fait rêve de temps en temps. Mouna et Mounoulié. Eh bien, Mouna et Mounoulié. Ouais. Rêve de temps en temps, Carole Michel et Mounoulié. Eh bien, Rachel Maricia Pierre, dis-nous plus. Côté Manou Desi, est-ce que là? Sous des Mouna rêve de temps en temps, c'est Mounoulié. Et de temps en temps, voulait dire ça, voulait dire. From time to time, you make it. Pas vrai si Victor souffrant, c'est mon oulier. Donc de temps en temps, il fait y parler. Qu'on y attendait, oui. Qui raison qui fait ou parler à? Pour la protection de son ambassade. C'est pas grave qu'a passé là, oui la société. Pour la protection de l'ambassade, yo parler de temps en temps à bande criminelle yo, alors que ces mêmes criminels ils sont recherchés par la police et même FBI. Ils ont parlé de temps en temps avec ces voyous. Alors que même criminels ayo, ils sont recherchés par la police et même gagné 2 millions de dollars qui baillent sous tête là-dedans yo par FBI, 1 million, 2 millions. Plusieurs millions de dollars sous tête yo alors que yo ses amis ambassade là eh ben quitte ça non quitte l'ou leti John tourne encore Chelsea comment on pas besoin de nous quoi même reler monsieur l'ambassadeur quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles. Tendez les ça. Voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors, de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Alors, c'est de confirmer les intentions de gangs. Mais c'est limité. À... Non, tout n'est ça, dit John. C'est important, pile pour pays à comprendre. Et ça me dit, nous, odieux, heureux, malheureusement, radio a pas fonctionné sur Haïti là. Mais la vérité sur réseau. Yo. Écoutez, c'est pas grave, monsieur dit là, oui. Monsieur dit que t'es gain tiré, t'es gain attaque qui fait. Et de fait, t'es gain une attaque qui fait vrai, un véhicule ambassade là qui te prend cartouche. Monsieur dit t'es gagné des tirs côté que gagné mu ambassade là
gen cartouche qui rivé solé. Gen machine ambassade là, gen cartouche qui rivé solé. Monsieur dit yo contacté gang yo pour yo connait qui intention yo. Est-ce que l'idée c'est attaquer ambassade là directement ou bien est-ce que c'est pas erreur? Eh bien faut nous parler clair parce qu'on connaît là monsieur Goumak français hein? Nous même ça haïtien il faut nous parler pour peuple là comprendre clair. Monsieur dit que là yo parle avec gang yo c'est pour yo connait qui intention yo. Est-ce que yo gen intention attaquer ambassade là ou bien c'est problème qui gagne conflit gagne dans région hein? Et puis comme quoi c'est balle perdue comme quoi c'est pas erreur comme son balle touche ambassade là c'est bagarre grave monsieur dit là oui monsieur supposé perdre du poste comme ambassadeur nous clair sur ça oui c'est parce que pas gagne monde dans pays oui monsieur t'es supposé perdre du poste et d'ailleurs monsieur très mal vend les États-Unis monsieur doit perdre du poste comme ambassadeur. Et moun ki nan congrès yo aux États-Unis yo doit prendre ça hein yo doit partager les haïtiens qui gen moun yo nan congrès nous doit partager extrait ça même peut-être nous pas prêter attention à lui pendant que t'as parlé là peut-être nous vinn plus lumière sur ça monsieur doit perdre poste comme ambassadeur mais gen doit c'est la nati parce qu'on nous fait fêter la 17 octobre. C'est la nati de voye le parler parce que même dans moment difficile yo la nati avec nous c'est ça qui va caer là oui si la nati pas caer nèg yo fann a caer plate la nati sauve caer c'est la nati de sauve caer ou papa a caer côté de saline vinn faire coup de drapeau ah oui ou on a caer petit non a caer pas petit non c'est la nati de sauve caer ça veut dire que logiquement c'est la nati de voye oui mon cher vinn parler comme ça. Parce que ça, c'est pas un discours d'un diplomate, d'un vrai diplomate. C'est pas un discours d'un professionnel en diplomatie. Ça dit, monsieur supposé rappeler comme ambassadeur. Monsieur pas digne d'être ambassadeur en Haïti. Monsieur pas digne d'être représentant des États-Unis en Haïti. Malheureusement, il n'y a pas de dirigeant non plus. Si c'était le cas, depuis avant-hier, monsieur t'a déclaré persona non grata dans le pays. Eh bien, écoutez, c'est gros déclaration, monsieur Vela, oui. La guilty joke. Le porteur de l'ambassade était touché par les balles. Alors, de voir, est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région? Alors, c'est de confirmer les intentions de gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui ne s'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contact avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu qu'il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs. Mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, ce qui n'est pas le cas maintenant. Alors pour moi, il y a un certain risque de privilégier de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Mm-hmm. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui, dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours... Allez. En toute logique,
si tu gen moun nan peyi a, yo t'ap déclaré monsieur persona non grata en Haïti. 2. Intervention ça haïtien qui nan congrès a, l'autre haïtien qui attendait là, qui gen l'autre moun yo qui nan parlement américain, hein? Parti ça doit traduit en anglais. Faut gen débat qui fait soulé. Monsieur doit rappeler comme ambassadeur. Troisièmement, ta doit gen plainte qui proté même. D'ailleurs, nous songe le Nathalie avec Marie t'est tombé en babal nèg yo nan Ophelina. Papa ou te dit ça. C'est pas menti ou ta bay. Gon journal que m'te li sa te rapporté que ambassade la te gen contact avec chef gang. D'ailleurs, se laisse passe ou te mande pour gang yo te bay ou autorisation pour ou te joindre cadavre yo. Ça veut dire que li clair. Yo te toujours en. Alors que même yo même ça ou di yo a cherché nèg yo. En toute logique, yon ambassadeur pas ka pou pa gen droit pou l'an chita parler ou bien parler en téléphone ou bien rencontrer avec des chefs de gang. Ça c'est travail la police. C'est le travail des CPJ. C'est travail FBI et pas yon ambassade. Parce que qui ça qui passé? Gomba nous dit la kay nous kabrit gade jemet ka avant de rentrer. Qui ti ambassadeur haïtien qui t'a osé gon comportement comme ça ici aux États-Unis? Zéro. Et pour qui ça n'a gon facilité pour yo faire ça yo vle, yo di ça yo vle en Haïti? C'est grave, oui. C'est triste également. Bon, on quitte le marché. Parce que haïtien, ben nous pas égaré. Et nous comprenons. Nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Depuis mon arrivée, il y avait des dizaines de véhicules qui étaient donnés à la police nationale. Nous avons aidé avec les munitions pour eux, avec leur formation. Nous sommes toujours en contact de voir quels sont les gaps de capacité et comment nous pouvons aider. Avec le MSS, je pense que ce qui s'est passé à New York avec les réunions de l'ONU et le rôle que à l'époque présidente Leblanc, en nom de TPC, CPT a fait l'entrée du gouvernement haïtien d'augmenter la capacité d'opération. Parce qu'ils ont vu, il fait longtemps pour renforcer la capacité. Maintenant, il y a des véhicules de MSS. C'est une opération internationale maintenant. Et il y a des efforts de même renforcer ses capacités. Mais au long terme, quand nous avons vu la réaction des gangs de continuer avec le conflit vers le sud, vers l'est, vers le nord du pays, à Trebonite, ça c'est hors de plan original, de concept original. Et alors, le transfert vers une opération de paix, comme le président Leblanc a dit, et quand c'est constant, avec notre entretien avec président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter la capacité, être plus sûr en termes de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gangs. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement
en son sein. Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non. Il y a plusieurs opérations, il y a plusieurs exemples qui, éventuellement, on a trouvé une solution, mais c'est le fin du processus. Et chaque fois que les gangs ont suggéré un cessez-feu, c'est toujours pour protéger l'opposition, pour les aider de continuer avec leurs actes criminels. Ils n'ont pas montré l'idée, l'intention de retourner, d'être les citoyens communes. Et avec tous mes contacts avec les Haïtiens, soit de société civile, membres de mon staff, je vois qu'il n'y a pas des Haïtiens qui acceptent l'idée d'accepter ou bien sûr les leaders des gangs. Il y a bien sûr la question des enfants qui sont membres de gangs. Est-ce qu'on peut avoir un système de DDA? Il y avait des efforts dans le passé. Je sais que sans cette big win, ces premières actions pour faire les gangs dans une certaine situation d'insécurité eux-mêmes, c'est pas le moment pour ce genre de négociation. Parce que vraiment, si on donne le temps, ça donne le temps pour les gangs de réorganiser, de trouver des nouvelles munitions et ainsi. En interdisant aux pays membres de vendre des armes à Haïti, la résolution de l'ONU écarte donc toute possibilité pour qu'un simple citoyen haïtien possède des armes, ne serait-ce que pour se défendre contre les attaques des gangs, à l'exception des forces de l'ordre. Comment est-ce que cela va changer le trafic d'armes qui sort des États-Unis et de la République dominicaine, merci, monsieur l'ambassadeur? Je sais, du côté américain, vous avez déjà vu, il y avait des arrestations, il y avait des gens engagés dans le transfert des armes qui maintenant sont en prison. Il y avait une bonne collaboration avec le ministère de Justice. Récemment, ils ont donné certaines armes qui étaient prises par les autorités haïtiennes qui peuvent utiliser aux États-Unis pour prendre un autre trafiquant des armes. Nous savons qu'il y a aussi des autres sources des armes. C'est pas seulement les États-Unis. Il y a plusieurs pays dans la région où les criminels peuvent acheter des armes. Le contrôle, et c'est l'un aspect de MSS avec l'arrivée des pays du Caraïbe et d'augmenter un peu l'aspect maritime. Même avec les États-Unis, il y a des petits bateaux qui nous sont en train de donner à garde-côte haïtien pour contrôler mieux. Nous voyons qu'il y a ce risque avec la frontière de République dominicaine. Nous faisons avec plusieurs autres membres de la communauté internationale des efforts d'aider les relations entre les deux pays parce que la situation maintenant c'est difficile parce que nous voyons particulièrement si on parle de 400 Mawozo, ils ont un certain contrôle de frontières et il y a des armes qui arrivent il y avait les assurances des autorités dominicaines de contrôler mieux leur côté. Et c'est un aspect de développement éventuel de MSS et de capacité nationale. Mon passeport américain, qui a une photo, qui a un nom sous, qui a un nom, qui n'a pas Jimmy Chérissé. Coupez ça avec TikTok. Mon passeport américain, qui a une photo, mais qui n'a pas un nom Jimmy Chérissé. Comment? Je ne sais pas si nous sommes comme moi. Moi, pour me quitter le pays, ça, il suffit que je ne suspende pas les races. D'autres pour l'évolution, je ne suspende pas les cailles pour le monde, je ne suspende pas les plots. Il suffit que tout le système même qui était payé. Adolescent. Monsieur. Bayou Bill. Les États-Unis avec les chefs de gang. Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs. Et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les
les balles. Alors, de voir, est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Okay. Alors, c'est de confirmer les intentions de gangs, des gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Merci. Non, merci, oui, ambassadeur. Merci, en pile. Merci, oui, merci, en pile. Ça dit, leur contacter, c'est pour confirmer. Intention, yo. Est-ce que effectivement vous avez une intention de tirer sur l'ambassade là, bien, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous connaissez? Comme vous voulez dire, vous connaissez la caillou, vous pouvez tirer sur la caillou. Est-ce que vous voulez dire là? Oui, papa. Ou dit, bon, il faut relayer pour tester, pour connaître qui ça a décidé, ça a fait. Est-ce que vous avez tiré sur la caillou ou bien est-ce que son héros est glissé? Est-ce que son fly? Ça va être grave, oui. Est-ce que son fly qui passait, qui fait une balle qui arrivait vers l'ambassade là, faut confirmer leur intention? Nous avons un pays, et je ne vais pas faire débat sur ça. Je songe pasteur Marcelo, tu nazi, qui perd du madame ni pas longtemps là. Monsieur nan kadyo message sur Haïti. Monsieur t'a parlé de peuple noir là, les Africains. Et puis monsieur t'a essayé faire nous comprendre dimension complot qui sous dos peuple haïtien. Et monsieur t'a clairement dit que c'est la communauté étrangère, entre guillemets, la communauté occidentale, c'est eux-mêmes qui ces problèmes noirs. Mais malheureusement, nous avons une équipe sous des cicérons dimanche, des conzés qui a fait job sale, la pas une dimension au péril de leur vie, en protégeant leur visa. Yo pas jamais parler cause ça yo. Imaginez que malgré Gary Conley dans son foulaï, monsieur seulement aller l'autre bord là, monsieur t'a parlé de sécurité, il peut même tourner. C'est moment tout Guy Philippe t'a révolution, mais Gary Conley t'a aller l'autre bord dans qui pays ça. Il peut même tourner. Bloup! Gon résolution qui prend encore pour mettre en embargo zam sur Haïti. Merci en pile. On quitte ça. La société, gardez avec moi sur écran pour m'enchaîner dans ce sujet ça, parce que moun sa yo k'ap parler là, c'est moun qui t'ap vive en dan ti bout kayo. Bien ou mal, yo te grand moun, yo te gen clé yo, yo te sorti là ou vle, yo te rentré là ou te vle. Nèg ak zam décidé mete ou dur. Ça fait quelque temps n'a questionné un paquet de bagages qui a passé sous pays. Me songe avant même force étrangère yoté débarqué en Haïti dans émission ça même gon bagage que moins t'ai dit, parce que souvent nous tendi ça nous doit tendre mais nous pas tendre l'essentiel pour nous tendre ou bien ça nous voulait tendre et nous tendre. Je dis, si les États-Unis, je ne vais pas passer sous côté pour me dire. Je dis, si les États-Unis voulaient aider Haïti, nous n'avons pas même besoin d'aller juste dans le pays Kenya pour nous chercher une série de nègres qui n'ont pas même une formation passée policier pour venir faire macaque là dans le pays d'Haïti. Malheureusement, la société, ça n'a pas empêché que yo al cherche nèg yo vin la pour yo vin fon l'argent sous dono. Ça n'est pas utile, non, rien du tout. Si les États-Unis, comme entre guillemets bon partenaire d'Haïti, comme puissance qui a supporté le pays d'Haïti, yo gen toute possibilité nan men yo
pour te résoudre ça bien là. Tu pas besoin aller dans l'autre côté. Il y a plein de monde qui dit mais États-Unis pas veut rentrer, Canada etc. c'est parce que ils ont échoué déjà plusieurs fois en Haïti dans mission que ils ont fait en Haïti. Eh bien raison simple. C'est parce que ils ont pas jamais gain volonté pour le résoudre. C'est ça Nathalie Yam qui parlait de ça, cette africaine journaliste qui parlait de cette trinité maléfique. Elle a raison. Pour qui ça d'après vous? Depuis tant abgé mission étrangère ça en Haïti, Nations Unies, les nations se sont réunies. Yo débarqué en Haïti, insécurité vin pi raide. Là yo débarqué dans pays an, yo volo cabrit nou, manger cabrit nou, yo pri tati mesdames nou yo et cetera, et puis là yo allé, yo kite un paquet ti moun je ou pa fin comprendre yo, bon nan yo cap la gon paquet ti moun cheve ou pa fin correct, ou comprenne, je ou koulen pa fin comprendre parce yo pa petit haïtien 100%. Et bien c'est ça ou fait. C'est-à-dire, yo pas jamais aller pour yo résoudre problème. Au contraire, yo compliquer problème nous davantage. Mais pas jamais gen dirigeant gen niveau gen capacité pour comprendre ça, qui pour réfléchir. Pendant que yo t'a fait gymnastique pour yo voyer une mission en Haïti. Gagné Nebenzia. Nebenzia Vasili. Baron Simbien dit non, hein? Me prononcer le comme ça, j'en l'écris. Nebenzia Vasili, qui est-ce, monsieur Ye? Monsieur, c'est représentant permanent la Russie dans les Nations Unies, dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Monsieur dit, mais attention, pour qui ça, États-Unis finit chaud devant ban, pour qu'il y ait une force étrangère qui débarque en Haïti? Alors que États-Unis pas innocent, et pas moi n'a parlé. Et moi elle fait entendre à sa chivio là pas. Ta nèg a vinn dire moi te parler, pas moi te parler. Dans des weekends. J'ai dit pour qui ça États-Unis? Nous fin chaud devant ban non? Pour gagner une force étrangère qui débarque en Haïti. Alors que pi force zam k'ap rentre Haïti yo, yo sorti les États-Unis. Est-ce que nous songe ici à me dit si tonton États-Unis te vle aider nous, premier bagay, puisque l'on n'a pas de dirigeant, nous pas de gouvernement, nous pas de président, nous pas de rien, nous pas de chef police, nous pas de rien qui a fonctionné. Premier ça que vous êtes supposé aider nous faire, empêcher que Zami rentre dans le pays. Parce que nous reconnaître que nous avons un territoire qui est livré. Nous pas de contrôle entrée sortie territoire. Gen pile dans matériel yo, c'est là dans Floride là au sorti. Permettre que nous contrôler ça seulement. Nèg kap acheter ou kite ou acheter parce que son business lié. Mais koul pral rive pour le rentrer sous pays a, saisir parce que nous gen moyen pour ça. C'est vle n'pa vle. Kounya ou gen droit dire non, États-Unis li pa contrôler territoire pour. Mais c'est yo kap diriger nous depuis quelque temps. C'est eux même qui bat nous président, nous devons être capable de faire dilatoire, oui, c'est États-Unis et chef police là, mais qui est-ce qui bat chef police? Quoi, États-Unis bat nous? Chef police là, qui sont en recalé, à refaire la classe. Pourquoi c'est là Washington litéré pendant tout le temps le chef police là, et puis qu'on y a boup, yo pimpel tourner encore, comme si on mangeait une vomi, et puis on fait une valelle comme bon manger, belle si. On mangeait une fin vomi, oui. Et puis, yon ba nous pour nous valer malgré tout. Si yon dit c'est lit pour nous manger, c'est lit solution pour faire une grossi. Et bien, ça qui passe. Ou pas, nous gon paquet timoun. Pratio encore. Pratio encore. Ça veut dire, son pays qui malade. Et bien, écoutez la société. Ça dit, l'un gon pays, chef police, nous c'est yon ba nous. Et bien, ou remarquez que pays a se yon contrôle. Nous pas gen autorité là-dedans. Ba non ti coup de main.
seul petit coup de main nous mandé aider si veiller zam cap entrer dans pays là parce que bon me donne ti parole gien des milliers d'armes cap entrer alors que nous ca contrôler sous quoi ces mentom faut pas contrôler bon qui ton nèg ta essayer pour un grain seulement yo même pour yo rentrer la caillou pour bagarre là. Tendez bien à l'eau. Sou dim ko pa capable. Tendez Christa Chil ma sœur. Écoutez. Sou di ko pa capable. M'ta remen que nan milliers k'ap antre Haïti a, prend un grain seulement. Rentre avèl sou territoire américain pour wès k'ap ka rentre avèl ou bien pour wès k'ap rive. Exemple qui simple. Pour qui ça d'après nous? Yo, bon, James Pierre en bas live là, il suit dossier sans pile. Dossier yon yon. Pour qui ça a arrêté Manzé, Titse, Dread Titse, Elian Tunis? Pour qui ça a arrêté? C'est kidnapping qui t'est fait sous missionnaire, oui. Qui c'est citoyen américain, oui. Immédiatement, américain qui est en connaît que Zama sorti dans Floride, yo al maré Titse. Et puis c'est bon vérité américain, bah oui. Ou est-ce que ça m'a doula? Eh bien, c'est là ça vient comprendre. Et c'est ça haïtien doit comprendre. C'est ça m'bra le faire entendre là, oui. Ça doit être sur écran m'bra le faire comprendre bien clair. Moi vinn comprendre que américain seulement sensible pour petite li. Puisque on t'ai kidnappé américain, rapidement joindre sous côté zam n'a sorti pour aller dans base là. Puisque qu'on y a yo pas kidnappé petite li encore, et puis qui met l'aile que ça rentre en Haïti. Et de fait l'ambassadeur là, lui explique ça clair. Lui parle avec chef gang yo, c'est dans souci pour protéger l'ambassade la dirigée. Quoi tu encore? Eh ben, pas de connais. C'est pas quoi tu encore? C'est quoi tu encore? Peter, tenez bien, oui. Ça veut dire que la société, écoutez. C'est ça yo fait nous, oui. Femme dit parole là bien, oui. Peter dit, c'est quoi tu as combat là, yé. On mange une vomi, oui. Kounia, mange à tous, si, oui. Et puis, yo potel ba nous, yo fait valer encore. Et puis, ça qui passe, kounia, mais gros, c'est une balle vente nous. Mais gros, c'est balle vente nous. Et puis, nous équipe, ti moun qui croit tu as encore. Oui, croit tu as encore. Nous croit tu as encore. Son pays difficile. Ça veut dire que Américains vous montrent que vous êtes sensible pour sang et pour pita. Mais vous n'avez pas care about Haitians. Vous n'avez pas care about Haitians. Et d'ailleurs, où est si Donald Trump ta vin président là, ou pral ouais qui premier groupe moun la batake? Marquez ça vous. Haïtien, droite. Après ça, le ka font passer pour Vénézuélien, etc. Mais Haïtien tout droite. C'est nan dégoin haïtien pour aller droite. Tendez qui ça représentant ici à tes Nations Unies. Tendez qui parti ça. Tendez bien. Je vais maintenant faire une intervention en ma qualité de représentant de la Fédération de Russie. Nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général madame Maria Salvador pour son exposé sur la situation en Haïti. Et nous nous félicitons de la présence à cette réunion du Premier ministre Gary Conny, sa nomination au poste de chef du gouvernement est sans conteste une étape importante pour le renforcement des institutions haïtiennes. Nous appuyons le cabinet des ministres ainsi que le Conseil présidentiel de transition qui s'efforce de diriger le pays dans une période critique. Leur objectif aujourd'hui est de préparer un scrutin national. Nous félicitons également de la présence de M. Alvarez Gilles, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine parmi nous. Parmi les priorités des autorités de transition aujourd'hui, outre préparation du scrutin présidentiel conformément à la constitution d'Haïti, il y a le rétablissement de l'ordre dans le pays, la création de structures administratives temporaires, et dans ces conditions, toute intervention extérieure est tout à fait inacceptable. La situation de ces trois derniers mois a démontré que lorsqu'il y a une
certaines volontés politiques, eh bien, les partis arrivent à surmonter leurs dissensions et à agir de concert pour le bien du pays. Les forces politiques haïtiennes ont aujourd'hui une responsabilité capitale pour surmonter cette crise. Néanmoins, en dépit des progrès réalisés sur le front politique, nous sommes loin d'une véritable amélioration de la situation sur le terrain. Les groupes et bandes criminelles continuent de contrôler 80% du territoire de Port-au-Prince, y compris les axes routiers stratégiques et les points d'entrée et de sortie de la capitale. Les bandes criminelles ont entre leurs mains au moins 500 000 armes à feu, dont des lance-grenades et des fusils de sniper. Mmh. Sur les réseaux sociaux, on voit s'afficher leurs dirigeants dans des vidéos où ils se vantent d'armer des armées privées jusqu'aux dents. Mmh. D'après les informations fournies par l'ONUDC, mmh, c'est depuis la Floride qu'arrivent principalement ces armes. Non, tout n'est pas ça encore, T. John. Font-il tourner là encore. James Pierre, mais tu bâtis ça. Ou papa, l'aime dit tourner là encore. Font tourner, tu bâtis ça. Pour ne bien entendre ça, le dia là. Je dis, mais m'a regardé sur les réseaux sociaux, yo. À qui facilité ces voyous? Y a exposé quantité de manches que yo gagné. Je dis, mais non. Mais selon tout élément de formation dit qui disponible. Mais zam sa, c'est depuis dans Floride là, oui, yo sorti là. Comment vous faites atterri Haïti? Et tournez encore, ti John, pour nous attendre clair avec des oreilles, nous attendre clair. Attention, on voit s'afficher leurs dirigeants dans des vidéos où ils se vantent d'armer des armées privées jusqu'aux dents. D'après les informations fournies par l'ONUDC, c'est depuis la Floride qu'arrivent principalement ces armes par voie aérienne et maritime. Mais nous ne pensons pas que l'embargo, sous sa forme actuelle, freine ce trafic arrivant depuis les États-Unis. Si Washington le voulait, il aurait pu régler ce problème pourtant. Mais aujourd'hui, nos collègues américains préfèrent utiliser ces problème comme levier d'action sur les autorités du pays. Le comité de sanctions 2653 tergiverse. La situation aujourd'hui suppose des mesures concrètes, mais on ne propose pas d'ajouter sur la liste les personnes véritablement responsables. Il y a aujourd'hui sur les listes 5 personnes qui sont des dirigeants de bandes criminelles. Nous ne sommes pas contre leur inscription sur la liste, mais nous ne pensons pas que leur contribution soit significative. Ils n'ont pas Merci, oui, merci. Merci, Ampil. Non, nous tendez, nous comprenons clair, oui. Tu as dit, mais, pile zam qui a exposé sur réseau, yo. Puis, fola da yo, c'est là, yo passé en Floride, oui. Il dit, mais si nous te vle, nous te ka contrôler, yo, pour yo pas rentrer dans le pays, ya. Et mentoy bay? C'est mentoy bay? Son vérité, le bay. Et de fait, monsieur l'ambassadeur, mais mon chéla,